Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu mes petits achats de chez Action. Vous savez que j'en fais assez régulièrement sur ma chaîne des hauls. Voilà, il y avait encore quelques nouveautés bien sympas, j'ai craqué, mais vous allez voir, c'était très raisonnable au niveau du prix. Donc on est parti. Pour commencer, dans un esprit très tropical, une petite étagère pour mettre tout un tas de petits objets, des crayons, ce genre de choses. Il y a donc 4 compartiments. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs illustrations toujours dans le thème tropical avec des palmiers. Donc là par exemple c'est tout vert avec des palmiers, des tout petits flamants roses. Il y avait vraiment plein de motifs différents. J'ai beaucoup hésité et je me suis arrêtée sur celui-ci. Il est à 5,95€. Pour rester dans le thème tropical, cette sous-assiette, on appelle ça, donc c'est plutôt un plateau décoratif, on peut mettre des fruits, enfin tout ce qu'on veut. Il est vraiment très joli. Donc ce plateau est à 1,39€. C'est en matière plastique. Il y a écrit Summer et des hibiscus, des ananas, tout ce qu'on aime. Voilà, pareil, il y avait un petit présentoir avec plein de suspensions, toujours dans ce thème. J'ai beaucoup aimé celui-ci, un petit ananas avec comme une ardoise, un petit message Never let go of our dream. Je vais le mettre dans la cuisine, près du frigo, c'est adorable et c'est au prix de 82 centimes. Dans la partie beauté, j'ai pris ce baume corporel de la marque Coconut Care, un body cream. Donc c'est senteur noix de coco, c'est la châssière de Jack que j'ai entendu derrière. Donc il y a 200 ml et c'est au prix d'1,29€. Alors j'avais pris de chez Neutrogena, chez Action, 2 crèmes, j'étais très contente du résultat. Donc je le mets sur l'ensemble de mon corps et je n'achète pas l'huile, vous savez, avec la ventouse là qu'on voit partout, donc j'utilise cette ventouse. Et ben moi je mets vraiment du lait corporel, ça marche tout aussi bien. Je veux tester celui-ci et bien évidemment je vous en reparlerai. Ensuite, de la marque Max & More, c'est un eyeliner qui fait également kohl, donc on peut le mettre en fard à paupières, en estompant avec le doigt, en eyeliner ou en kohl dans la muqueuse de l'œil. J'ai voulu changer, j'ai pris un brown, donc marron, le 02 plutôt que le traditionnel noir que j'utilise. Avec à l'intérieur, nous avons un petit taille crayon et l'ensemble est à 79 centimes. J'ai trouvé ce pot, donc c'est un gel douche à l'aloe vera. C'est vrai que c'est le packaging au début qui m'a vraiment attirée. On va pas se cacher que le prix est quand même très attractif, 1,95€ les 500 ml. L'odeur, je vais la découvrir avec vous. C'est très fruité, citronné. On va dire que ça éveille les sens. L'odeur me plaît beaucoup. J'ai retrouvé mon fameux Sif Express nettoyant pour le sol sans rinçage qui est à 1,75€. Je l'adore. Il sent divinement bon, ça sent le propre. À chaque fois je le rachète. Voilà, donc je vous conseille de le tester parce qu'il est vraiment formidable. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez craqué pour les mêmes articles. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous faire un énorme bisou et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!